Oui, bonjour à tous, c'est Bisbis pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la tech écusson. Alors c'est une technique voilà, que j'ai fait pas mal de fois pendant la totille là. Donc je vais vous montrer ça consiste en quoi. Alors vous allez sur marché des transferts, donc vous allez sur écusson. Alors les écussons, on va pas prendre n'importe quel écusson, on va surtout prendre les écussons des grosses équipes. Donc vous voyez par exemple en Barclays Premier League, je vais prendre celui d'Arsenal, Chelsea, Leicester, Liverpool, City, United. Alors déjà pour commencer, déjà vous allez prendre, voilà, par exemple on va prendre Arsenal, on va regarder son prix combien il coûte. Vous voyez moi je les ai déjà tous notés. Normalement Arsenal il coûte vers 700, le plus bas. Vous voyez 700, il y en a plein. Donc vous notez, vous prenez une feuille, vous mettez Arsenal 700, et on va faire tous ceux qui vaut un petit peu de crédit. Alors Chelsea je l'ai noté à 500. Vous voyez, donc là vous allez à 500. Normalement, vous voyez, c'est le plus bas à hein, 500. Donc si vous le rechopez, vous le mettrez à 500 en vente. Et vous allez faire ça avec tout ce que je vous ai dit. Donc Arsenal, Chelsea, Leicester, Liverpool. Par exemple, Leicester, c'est à 400 le moins cher. Liverpool, 650. City, 500. Et United, 850. Donc ensuite, vous voyez, là, il y a tous les. Là, j'ai marqué tous les prix au plus bas. Donc ensuite, vous retournez sur Arsenal. Donc Arsenal, j'ai dit qu'il se vendait à 700. Donc on va faire ça. Et là, on va essayer de les choper en enchère. Après, vous pouvez faire la tech 59 dessus. Bon, on va essayer de les choper en enchère. Donc on va mettre vers 500. Et on va mettre plein d'enchères qui est en dessous. Donc Arsenal, alors 700. Vous voyez, là, on peut mettre une enchère 500. Après, on va pas. Là, on prendra pas beaucoup, mais des fois, on prend largement plus. Des fois, on les chope à 150, on les remet à 700. Donc voilà, quand vous en avez pas mal, quand vous en chopez pas mal, ça vaut vraiment le coup. Donc là, par exemple, vous voyez 500. Là, un autre, faut pas en prendre, hein. Là, on le met à 500, vous voyez, là, 450, j'ai mis plein. Là, on peut en mettre un à 450, vous voyez, je mets plusieurs enchères. Vous voyez, là, il y a 150, il n'y a pas d'enchères dessus encore. Là, il y en a, il a mis une enchère à 400. Et vous faites ça. Vous voyez, là, on va mettre à 150. 150, ça, c'est les gens qui viennent juste de le paquer. Vous voyez, ils mettent au prix mini et au prix max. 150, 5000. Et moi, je vous conseille de les prendre en, comment ça s'appelle, en enchères. Vous voyez, on met à 150, on met des enchères partout. Attends, pas 300, 150, on va prendre 150. Même si je les chope à 450, je vous ai dit, son prix le plus bas, il est à 700. Donc au pire, même si on veut qu'il parte vite, on le mettra à 150. Après, tout dépend, vous regardez quand la vidéo, ça se trouve, là, ils sont à 700, parce que là, ils sont pas trop chers. Je me souviens qu'il y a un mois, les écussons d'Arsenal, ils coûtaient au moins vers 1004. Vous voyez, maintenant, ils vaut plus que 700. Mais je pense, après, dès que ce sera fini, la Toti, vous voyez, ça a un petit peu monté les prix. Donc, chaque fois que vous vous connectez, vous voulez faire la tech écusson, vous prenez déjà une feuille, vous allez noter déjà tous les prix les plus bas des écussons. Et après, vous essayez de les choper en enchère. Donc, vous voyez, Arsenal, on a fait. Donc, Chelsea, c'est 500. Donc, 500, voilà, c'est. On va descendre un petit peu, on va mettre à 300. Et là, vous mettez des enchères. Vous voyez, là, on peut mettre une enchère à 250. Là, 200. Là, 150. Moi, je vais mettre qu'à 150. On va essayer de les choper à 150. Imagine si on les vend tout ça à 500. Voilà, vous voyez, ça fait pas mal. Vous voyez, après, il y en a où je mettais à 300 les enchères. Non, on va prendre 450. Comme ça, on va se faire plus de bénéfices. Et après, on les suit. Même si on peut monter, on va dire, on peut monter jusqu'à 300, les prendre. Après, on les remet à 500. Après, c'est pas beaucoup, mais vous allez voir ce que vous allez choper. Moi, je sais que j'en chopais plein. Après, il vous faut beaucoup de place dans votre liste des transferts. Alors, Leicester, lui, c'est 400. Donc, Leicester, ouais, je l'ai mis, mais on va regarder. Bon, Leicester, là, pour l'instant, c'est pas intéressant. Liverpool, j'ai mis le moins cher, il a 650. On va regarder à 300 ce qu'il y a. Alors, vous voyez, enchère à 18 minutes. Vous voyez, il n'y a même pas d'enchère. Donc, là, on peut en mettre une à 300. Là, bon, après, c'est dans une heure. Après, on peut monter un petit peu l'enchère si vous voulez. Ouais, je vous ai dit, ça se vend à 650, Liverpool. Donc on peut monter à 400, vous voyez, il y en a une là. 400, vous voyez, il y a un petit peu de monde quand même qui les suit. Après, le mieux pour choper les écussons, je trouve, c'est la nuit. Donc City, j'ai dit 500, donc 500, on va remettre des enchères, on va mettre vers 300. On va regarder ce qu'il y a. Hop, vous voyez, elles sont quand même hautes, les enchères. Donc là, on va pas prendre. Et United, c'est 850. Vous voyez, là, il n'y en a pas, là. Bon, il y en a, il vient juste de la mettre. Lui aussi vient juste de la mettre. Hop. On va faire ça. 200. 200. Et là, vous mettez plein d'enchères et vous les suivez. Et moi, j'en mets vraiment plein. Vous voyez, même dans 40 minutes. Alors, hop. Donc voilà, j'ai fini déjà tous les clubs, comment s'appelle le Barclays Premier League. Après, vous pouvez regarder, hein. Vous venez. Vous voyez, Arsenal, je l'ai chopé à 500. J'ai dit que ça se vendait à 700. Donc, je vais prendre ça avec la taxe, on va dire. Je vais prendre les 150. Mais vous voyez tout ce que je peux choper? Regardez, ça arrive, ça va arriver. Dans 20 secondes, il y en a déjà un nouveau. Après, dans 6 minutes, il y en a un autre. Regardez, je dois avoir au moins deux pages. Et on va faire avec les gros écussons. Donc, il y a ceux-là. Ensuite, sinon, les autres clubs, on va en Ligue 1.
Donc on va prendre là, c'est PSG, comment ça s'appelle? PSG et Marseille. Donc on va commencer par Paris. Paris, j'ai dit qu'ils se vendaient à 750. Enfin, j'ai noté sur la feuille. Vous voyez, j'ai déjà noté un petit peu avant. Donc on va dire, on va essayer de le choper vers 500. On va regarder en enchères, vous voyez. Hop, on va mettre des enchères 550. Après, on leur mettra 750. Mais comme je vous ai dit, hein, ça se peut que dans... Si vous regardez la vidéo de 1 ou 2 mois, les prix sera plus pareil. Donc toujours regarder les prix, combien ils sont. À mon avis, ils remonteront les écussons. Vous voyez, là, on va mettre une à 450 pour après essayer de leur vendre à 750. Vous voyez, s'imagine les deux, là, je les chope. Voilà, je gagne déjà 500. Là, je prendrai 300 et là, 200. Vous voyez, après, plus on les prend moins cher, plus on sera de bénéf. Donc, vous voyez, on va le prendre à 350. On va mettre une enchère là. 350 aussi. 350. Après, on les suit. Après, s'ils montent trop, ça sert à plus rien. Mais vous en mettez plein d'enchères. Regardez, il y en a plein. Et après, les gens, ils préfèrent faire de la survente sur les joueurs que sur les écussons. Après, moi, je trouve, voilà, c'est pour les petits budgets, hein, les écussons. Mais je sais que je l'avais fait le dernier coup. J'avais chopé plein d'écussons. Même du Bayern et tout. J'ai chopé à 150. Je les ai remis à 900. J'avais chopé au moins une dizaine. Ça n'arrêtait pas. Donc, vous voyez, Marseille, j'ai dit que ça se vendait 600. Vous voyez, là, il y a une enchère qui va se finir à 150. On va le mettre à 200. Parce que le moins cher de Marseille, il coûte 600. Donc, voilà, si on le chope à 200, on le remet à 600. Là, on va se prendre 400. Alors, là, 250, on peut en mettre une à 300. Marseille, il se vend bien. Vous voyez, là, 14 minutes, il n'y a toujours pas d'enchère. Vous avez vu, là, le premier, il allait le choper à 150. Regardez, vous allez voir, je vais le choper à 200, je le remets à 600. Parce que 600, c'est le moins cher. On va regarder, on va attendre 10 secondes. S'il y a personne qui remet des enchères. Bah à mon avis, quand je vais faire la vidéo, il y aura un petit peu plus de monde qui la fera la tech. Vous voyez, là par exemple, vous voyez, j'ai chopé Marseille à 200. Attends, on va mettre plein d'enchères sur les autres. Vous voyez, 200, on va mettre lui. À 200, on va mettre celui-là. 250, ouais, regardez, 150, on va mettre ça. Vous mettez plein d'enchères. Après, vous pouvez choper en tech 59. Regardez, je vous ai dit, je l'ai chopé à 200 à Marseille. On va regarder le plus bas prix. Oh, il y en a à 350. Et là, il vient juste de sortir. Donc, on va sûrement l'acheter 350. Parce qu'après, regardez, l'autre, il a combien? Voilà, donc vous voyez, on prend celui. Non, on peut plus. Ah, je peux plus le prendre parce que j'ai fait trop de. Donc c'est pas grave. Mais vous voyez qu'après, ils se vendent à 600. C'est bien ce que je vous ai dit. Donc l'autre, je l'ai chopé à 200. On va le choper sur la 350. Voyez, on va prendre OM. Vous voyez, choper 200. On va le remettre à 600. Vous voyez, ça fait quelques petits bénéfices. Mais vous faites ça pendant toute une journée. Vous allez voir, les gars. Vous allez monter. Vous allez bien monter. Faites-moi confiance. Vous voyez, on va le choper là s'il est encore sur Marseille. Hop, on y va. 350, ouais, je le prends. Putain, j'ai plus de place dans mon. C'est chiant là parce que j'ai plus de place dans ma pile. Vous voyez, je peux monter jusqu'à 50 éléments. Donc on va faire ça. On va effacer les. Donc ça, on va déjà prendre ceux d'Arsenal. Arsenal, j'avais dit combien? On les met à 700. Donc vous voyez, là, on va prendre 200. On va prendre 200. Bah, avec la taxe, on va aller prendre 180. Et c'est pas mal. Faites ça tout un après-midi, vous allez voir. Vous allez monter. Et plus vous les chopez moins cher, mieux ça sera. Vous voyez, 700 Arsenal, voilà. Bon, est-ce qu'on va les rechoper enfin sud Marseille? Alors on y va. Écusson, équipe. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce qu'il y a encore sur 350? Voilà. Est-ce que je peux le prendre? Voilà, je le prends, je le remets à 600. Après, vous pouvez faire la tech 59 directement dessus. Hop. 600, voilà. Donc j'ai dit, il y a PSG. Il y a OM, vous voyez OM. Alors sinon les autres clubs, en France je trouve il n'y a que ces deux-là. Après on peut regarder Lyon, mais Lyon je trouve, vous voyez, c'est trop bas les prix. Ensuite, souvent c'est en Serie A, il n'y en a pas trop. À part peut-être la Juve, mais sinon je vais en, comment ça s'appelle, en Allemagne. Borussia Dortmund. Donc Borussia Dortmund, j'ai pas noté son prix, on va regarder le moins cher, c'est combien. Alors Dortmund, on fait ça, toujours, hein. Vous allez sur l'écusson, vous regardez combien il se vend. Ouais, ils vont en 350, non, Dortmund, ça vaut pas trop le coup. Bayern, je sais que ça vaut le coup. Alors, Bayern, vous voyez, à 400, il n'y en a pas. On regarde combien ils se vendent. Ils se vendent à 550. Même 500, vous voyez, ils se vendent à 500. Donc, on va regarder les enchères. On va faire ça. Donc, 500, on va essayer de les choper en dessous de 300. Hein. Donc là, vous voyez, on peut le choper. On peut mettre des enchères on va en mettre à 200 plutôt. À 300, voilà, on va se faire que 200. On va essayer de se faire un peu plus. Allez, 250 max, on va mettre des enchères. Vous voyez, là, on va mettre plein à 150. Si on les chope à 150, voilà, vous les remettez à 500, ils partiront. Vous voyez, là, j'ai plus de place dans ma pile. Vous voyez, cet élément, on peut pas être. Voilà, parce qu'il faut que j'en supprime. Et là, j'ai déjà rempli au max ma pile. Donc, c'est pas grave. Vous voyez, là, regardez tout ce que vous pouvez mettre à 150. Tout ça, vous mettez en enchères, les gars. Et vous les suivez. Vous voyez, tout ça à 150, il y en a plein. Hop là. Et ensuite, les championnats pour finir, hein, vous savez c'est lequel, voilà, c'est celui-là.
Pareil, Barça. Barça, ça coûte super cher, les Barça. Barça, c'est à combien? C'est au moins, ça doit au moins 1000 crédits. Regardez. Vous voyez, à 900, il n'y en a même pas. Vous avez vu combien ils se vendent, les cuissons de Barça? Donc, vous prenez Barça, Real, et vous faites la même chose que je faisais avant. Vous voyez, il se vend à 1002. Putain, Barça, il est cher. Donc, vous le mettez, voilà, 1100. Vous voyez, à 1100. Faites ça. Et après 1100, on va essayer de les choper vers 850. Hop, 850. Vous voyez, il y a une enchère là qui va finir dans 2 minutes. J'aurais mis à 700. Je le chope à 700, je le remets à 1100. Vous voyez, je prends 400. Regardez là, 500. Tout ça, vous mettez des enchères là. Regardez, 400. Regardez, il y en a plein. 2 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et vous essayez de les choper en dessous de 800. Et vous les remettez à 1100. Ils vont partir direct, vous verrez. Hein. Vous verrez, surtout Barça, ça se vend bien, Barça. Regardez, il y en a plein. Les enchères sont bas. Et après, on les revend à 1100. Pareil, hein, vous faites la même manip pour le Real. Ça doit être pareil, hein, le Real. Vous regardez bien son prix avant. Je sais pas du tout combien il coûte. Il doit coûter vers 1000 aussi. Voilà. Vous voyez. Lui, regardez, il va le choper à 450. On va regarder combien ça coûte, le Real, pour finir. Mais vous avez compris. Hein, vous avez compris c'est quoi, en gros, la technique. Vous voyez, le Real, hop. Le Real, bon, il se vend vers 900. Hop. Vous voyez, 900, il y en a deux. Donc, on peut le mettre à 900. Donc vous faites carré, vous regardez, vous voyez, lui il va le choper à 550, il va le remettre à 900. Bon, ouais, ça monte un petit peu les enchères parce que là il y a de personne. Mais des fois il n'y a personne dessus, donc vous en mettez plein d'enchères. Hein. Puis vous allez voir, vous allez en choper plein, les gars. Vous faites ça, et des fois vous allez sur votre pile, comment ça s'appelle? Votre objectif transfert, vous voyez, je suis à 50, c'est pour ça que je pouvais pas reprendre. Vous voyez, OM, je l'ai repris à 300, je vais le remettre à 600, donc ça me refait encore 300 de bénéf. Puis vous voyez, Paris là, par exemple, PSG c'est 750. Vous voyez, je l'ai pas suivi, le gars il a acheté 500, il va le remettre à 750. Donc il va prendre 250. Chelsea, vous voyez, il a chopé qu'à 200, Chelsea. Alors qu'il vaut 500. Là, il va prendre 300. Parce que ceux-là, je ne les ai pas suivis. Vous voyez, je fais la vidéo, je peux pas tout faire. Je peux pas faire la vidéo, regarder les trucs. Vous voyez, lui, Paris va le choper dans combien? Paris, je regarde sur ma feuille. 750. Vous voyez, on va mettre une petite enchère. Hop, on va le suivre à 500. Allez, on va remettre à 500. Après, on va le remettre à 750 et il partira. Et vous relistez tout le temps, vous allez voir, vos équations vont partir. Mais toujours prendre une feuille, vous notez à peu près les prix combien ils coûtent. Par exemple, la Chelsea il vaut 500. Vous voyez, 300, si je remets une enchère, 350, ça vaut plus trop le coup. Donc on regarde, tous les exécutions, ils étaient surenchéris. Là, 200, comme Chelsea, je vous ai dit, ça vaut 500. Alors on remet une petite à 250. Vous voyez, après ça vient, hein, 1 minute, vous voyez, 1 minute 20. Ils arrivent tous au moment. Puis si vous voyez que ça monte trop, hein, vous remettez pas de, comment ça s'appelle, d'enchères. Et vous essayez de les choper le minimum. Et Marseille, bien sûr, je les chope à 200, je le remets à 600, je vais reprendre encore 400. Voilà. Vous voyez, après, regardez OM là, on va le mettre tout de suite en vente. Vous voyez, je vous avais dit c'était combien OM? Je vous ai dit c'est sur ma feuille 600. Donc là, je reprends 300. Hop. Et ceux qui n'ont pas trop de budget, vous faites ça, vous allez voir. Paris. Alors, Paris, voilà, 500. J'ai dit 750 PSG. Et là, on va reprendre 250. Vous avez vu, c'est tout con, hein. Donc, ceux qui n'ont pas trop de budget, c'est pas après, c'est pas une technique gros budget. Hein. Donc, mais vous faites ça. Et vous faites ça, vous allez faire ça plein de fois. Le mieux c'est la nuit, hein. Le mieux c'est la nuit. Vous allez voir, vous allez en choper plein. Vous voyez Chelsea là, bon, il l'a remis à 400. Son prix le plus bas c'est 500. Bon, il va prendre que 100. Après 100, ça vaut pas trop le coup. Mais faites là cette technique. Vous voyez, il y en a même quelqu'un, il a acheté Arsenal 800 alors que son prix le moins cher il était à 700. Bon, après ça c'est les pigeons. Donc voilà, je vais suivre toutes ces comment ça s'appelle, toutes ces enchères là. Vous voyez Liverpool 200. Alors que son prix le plus bas est 650, donc on va remettre, voilà, on les suit. Il finit dans 8 minutes. Et on fait ça. Faites ça avec Real, avec, je vous ai dit, Arsenal, Chelsea, Leicester, Liverpool, City, United, PSG, Bayern, OM, Barça, Real. Après, allez regarder peut-être en Serie A. Et Serie A, Juventus, ouais. Juventus, parce que les autres, j'ai regardé Inter, Estroma et tout, ça vaut pas trop cher. Donc vous faites ça, puis voilà. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu la technique. Et après, vous mettez tout en vente. Et vous allez voir, ça va partir, les gars. Ils vont partir vos écussons. Voilà. Bon, allez, les gens. Bonne journée et à plus.